Bonjour à toutes et à tous. Vivre à Nehru, quel plaisir! C'est le slogan de l'ECASS dans lequel je me retrouve complètement. Habitant de Nehru depuis 10 ans, ma famille et moi nous sentons spécialement bien dans ce village dynamique qui a su se développer de manière intelligente et durable et dont les contacts humains demeurent essentiels. Lors de notre venue à Nehru, c'était en fait un peu un retour à certaines origines pour moi. En effet, mes grands-parents maternels habitaient et se sont rencontrés à Nehru, en particulier dans le cadre du football et de la fanfare. Installés à la route de Nierlet, nous pouvons profiter d'un quartier plaisant, diversifié et aéré, avec des contacts humains privilégiés. Et dire que si l'ECASS ne s'était pas battu pour notre quartier de Nierlet, un entassement de logements sans aucune esthétique aurait vu le jour à cet endroit. Ça a d'ailleurs toujours été le fer de lance de l'ECASS de privilégier des développements modérés contre des projets non contrôlés. Quel plaisir d'ailleurs de se lever le matin avec une si belle vue. Nehru jouit d'une situation et d'un accès exceptionnel. Maintenons cela, favorisons les commerces de proximité et développons la mobilité de manière globale sans opposer les différents moyens de transport et les visions des uns et des autres. À cet égard, j'adore me déplacer à pied ou à vélo dans mon village et les environs, en empruntant les voies de mobilité douce. Je prends le train à Nehru pour mon travail. Je charge ma voiture électrique grâce aux panneaux solaires installés sur le toit de ma maison. Et même, à 10 minutes en vélo, je peux assouvir une de mes grandes passions qu'est l'aviation. Avec l'introduction d'un conseil général à Nehru, il est important de poursuivre la dynamique positive engagée dans notre commune, tout en gardant un esprit de village. Ayons toujours à l'esprit que le citoyen doit être placé au centre des préoccupations. En tant que financier, j'aurai également spécialement à cœur de développer les infrastructures de manière réfléchie et proportionnée, par une gestion efficiente de nos ressources et une fiscalité modérée. Je partage ainsi entièrement les valeurs de l'ECASS. Que vivre à Nehru reste un plaisir.